Meko, vous êtes là. Il y a quelqu'un qui est venu là me rendre un peu visite. Partager. Admis, on a combien de partagés là? J'ai même perdu le fil de mes idées. Alors, Ngokolia, tu dis que tu pars, tu fais 3 mois au Cameroun, parce que tu pêches, tu braises le poisson. Ngokolia. On fait 3 mois au Cameroun qui veut. Ngokolia. Oh, mettez les cœurs. Si vous êtes là, mettez les cœurs. Je bois d'abord. Attendez, je suis en train de faire quelque chose là. Ok. Parce que vous savez que quand on est déjà une star comme Marma, on travaille avec toute une team. Donc, quand Marma fait un petit dégommage là, la team rappelle Marma l'ordre. Donc, j'étais en petite. En comité de travail. Alors, Ngokolia, on va te prendre mot par mot. Ne te dérange pas, on va arriver. On va y arriver. Tu t'assois pour dire que, avec toutes les charges qu'on a ici à Paris, quelqu'un normal peut partir faire 3 mois au Cameroun. Niambro. Quelqu'un normal peut même faire 6 mois au Cameroun quand tu as préparé ta vie. Quand tu as fait une organisation de ta vie. Tu peux même aller au Cameroun, tu fais même 10 ans si tu veux. Tu vas faire peut-être 1 an parce que de temps en temps, il faut que tu rentres pour ton séjour. Qui n'est pas content d'aller au Cameroun et est question, déjà tapé ma séquelle au Cameroun avec le stress de Mbengzi. Mettez les cœurs, hein, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous êtes en train de parler même de quel sujet? Vous les femmes, si on est en train de parler de Ngokolia, vous êtes en train de parler même de quoi? Parce que quand je vois ces mouches, quand la sapar là ouvre sa bouche sur Maman Perpé, il faut voir comment ces mouches insultent. Vous êtes même en train de parler de quel sujet jusqu'à vous ne mettez pas les cœurs. Hein? Ici là, c'est la team de Maman Perpé. Moi, Maman, la télé, ça a été ouverte pour traiter les problèmes de Maman Perpé. Hein? Vous êtes en train de discuter les choses et même que ce n'est même pas le sujet. Il y a un sapin qui s'est levé en plein minuit et fait la sorcellerie sur le nom de Maman Perpé. Hein, Rose David, bonsoir maman, ça va. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Admin, je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs avant qu'on ne continue. J'ai dit, oh, mais nous qui n'y m'a ni biker comme ça, pourquoi vous êtes juste avec les cœurs comme ça, question. Pourquoi vous êtes juste avec les cœurs comme ça, question. Pourquoi, Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Ou alors les cœurs arrivent en retard chez moi. Parce que souvent, mes gens, je vous dis alors quelque chose. Des fois, quand maman finit ses directs, elle écoute souvent, elle réécoute souvent ses directs. Des fois, je vois quand je vous demande les cœurs là, que vous avez déjà envoyé les cœurs depuis. Mais maman voit les cœurs là tard.
Et à Daniel, Daniel avait raté, merci ma sœur. Quand vous mettez les cœurs, ça veut dire que maman n'est pas hors sujet. Les cœurs ne veulent pas seulement dire que vous aimez trop maman. Ah, on dit qu'il y a plein de cœurs. Mais c'est que maman voit les cœurs en retard. Les cœurs, ça veut dire que maman n'est pas HS. Parce que si maman est hors sujet, faut dire à maman que maman oui, est hors sujet. Elle change de sujet. Et sa part comme ça se lève jusqu'à indiquer, oh, elle fait 3 mois. C'est n'importe qui pas fait 3 mois au Cameroun. Maman, il y a plein de gens à l'heure ici dans les Mbengsi qui sont assis, que si tu leur donnes seulement les billets d'avion là maintenant, Pipito cherche ça avec la torche, elle voit. Question. Goma ça, elle cherche le billet d'avion avec la torche, elle voit. Question. Il y a flop des Camerounais qui sont en bain, qui sont en train de chercher comment faire pour aller manger le mbongo, parce que le mbongo du terroir est différent du mbongo de bain. Le corps de terroir est différent du corps de bain. Le foufou du terroir, comme maman pépé mange souvent le akolo là au terroir, c'est différent du akolo de bain. Higiyomi est terroir, chaque chose qu'il y a au terroir est différent de ce qu'il y a en bain. Chaque chose qu'il y a au terroir est différente de ce qu'il y a en bain. Qui n'est pas content d'aller au Cameroun? J'attends ma séque Cameroun. J'ai dit, oh, qui n'est pas content d'aller au Cameroun? Si maman ne perd pas la chance de faire même ces 4 mois au Cameroun, est-ce que c'est un problème, mes gens? Question. Hein? Comment ça, elle cherche comment elle fait faire pour partir? Voilà, ça mène là ouvert les laitiers. Parce qu'elle cherche comment faire pour couper l'argent. Dans ces mêmes laitiers là, l'argent du billet d'avion de Air Maroc va sortir. Dans les mêmes laitiers, on va prendre Mayo Moni, Bakeba Tempe Kumateke. J'ai dit Wangoma Sai. L'affaire de Kumateke là, c'est aujourd'hui que toi tu connais ça. Anoura, maman ne peut pas parler de cette affaire il y a longtemps. Toi, c'est aujourd'hui que tu connais l'affaire de Kumateke. Hein? Wangoma Sai. Atata Loba. C'est aujourd'hui que toi tu as appris l'affaire de Kumateke pendant que les gens sont même en train d'oublier, maman. Maman, la récupération de ça. La récupération de ça. Les gens ont parlé de l'affaire de Kumateke là il y a longtemps. Ngera Kobonji, les Wasade Ngolong disent que Ngera Kwang. On dit que Ngera Kwang, maman. Les gens ont parlé de Kumateke là Ngera Kwang il y a longtemps. Ah, Pipito, c'est maintenant que toi tu penses que tu vas ouvrir les laitiers pour Kumateke. Ça te rate. Ça te rate, maman écarté. Maman, j'ai écarté. J'ai écarté. Écarté quoi, maman? Les WC. De qui? De Kangwa la panthère. Écarté quoi, maman? Les WC. De qui est d'autant? Tête percée. Tête percée ensemble vide. On revient chez Ngokolia, c'est de ça qu'il s'agit. Ngokolia, tu as dit que quoi? Que ton lait, ce n'est pas ce que maman Pépé tourne sa part de lait dans les moulinets. Et que toi, tu tournes ta part où, maman? Que c'est le laboratoire quoi, maman? Le laboratoire français, Nyambrou. Je ne t'ai pas vu dernièrement là-bas, Château Rouge, avec ton client blanc dans la voiture. Il y a une parfumerie où tu t'es arrêté là, c'est là-bas que tu peux prendre ta composition, Kenge. Tu viens mentir aux mouches. Tu utilises tes conneries que tu mets dans les bouteilles là. Tu veux mentir aux mouches. On habite tout en Bengé. Nous tout on habite en Bengé. À sa part, on vit tout en Bengé. Je ne t'ai pas vu le jour là. Tu étais avec le blanc dans la voiture, ton client. Tu t'es arrêté devant la femme, la parfumerie là-bas, château d'eau. Ton château rouge. Pour aller chercher ta composition. Quand tu parles de lait de toilette, je préfère le lait de toilette qu'on tourne même dans les moulinets. On voit les résultats sur le corps. Tu n'as pas de lait de toilette que tu dis que tu es avec les laboratoires français. Même comme ce n'est pas ça que tu utilises. Ta composition là que tu utilises, regarde tes doigts, Noura. Regarde tes orteils. Tes orteils ne nous ont pas appris. On n'a pas vu ça ici là quand tu es allé faire le tour là-bas chez la femme au mauvais bassin là. Celle qui s'est dit milliardaire dans sa tête, là, Ngobayang. Quand tu allais faire ton tour là-bas chez Ngobayang, Ngobayang t'a filmé, on a capturé, on n'a pas vu les pieds calcinés là. Tu peux comparer ton Johnson, Johnson de Perpétue. Perpétue a fait avec les moyens de bord. C'est toi qui dis que tu es milliardaire, que tu ne vis pas de l'étude comme écarteuse.
Mais l'argent qu'on t'a donné là, n'est-ce pas les gens ont cotisé, les laitiers t'ont donné, c'est ce que tu as pris pour, mais pour ouvrir les conneries là que tu dis que vous c'est pas faire FDL. Toba qui nous rabkaï. Nous rabkaï. Regarde tes coudes. Maman est les coudes du laboratoire français. Maman est lol. 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 Les coudes du maman, les coudes du laboratoire français, maman. J'ai dit, oh, j'ai dit, ta crème là, tu ne peux pas donner un peu à Anna Gringa. Anna Joe, Anna Gringa. Anna, maman, qui, maman? Wendeng dong. Regarde la peau de ta maman, comme elle est crassée, encore colia. Regarde la peau de ta maman, comme elle est crassée, encore colia. Quand on dit qu'on fait les laits, on teste d'abord sur les membres de sa famille. Maman, ta mère a multiples peaux, multiples couleurs, maman, beaucoup de couleurs. Maman, la peau a beaucoup de couleurs. On dit en bas ça que maman, y'a un peu de couleurs. J'ai dit, oh, ta mère a ce qu'on appelle en bas ça que beaucoup de peaux. Maman, les peaux plissées, plissées. Maman, la femme l'a souffert là-bas, Foukoui, maman, vers les champs. Tu en veux à une femme qui n'a jamais fait les champs? C'est pas tout le monde qui appelle à faire les champs. Il y a quand même des femmes intello qui sont allées à l'école pour être cadres comme telles et toucher la pension retraite. Est-ce que la maman de Pelpé attend que Pelpé va venir aujourd'hui avant de lui dire que hey, maman Marie-Josée va là 20 euros manger? Non, elle n'a pas besoin. C'est une maman qui coule ses jours errés. Maman, oh, la maman de Pelpé coule des jours errés. Elle n'aura jamais besoin d'un enfant pour vivre. Où elle est là? On n'est même pas sûr que si elle meurt, même son corps va venir au Cameroun. Parce qu'elle n'est pas quand elle n'est plus Cameroun, elle est française. J'ai dit, hein, ton totem que tu as ramené là-bas pour sucer les Bangalas des Blancs là, elle est française, question. On t'a tellement incité que tu es parti la déchaîner là-bas dans ses chaînes où elle était à Foukoui. Tu es parti la déchaîner dans ses chaînes là-bas où elle était à Foukoui pour venir nous prouver. Avec l'argent de qui est des mouches. On t'a dit que la maman de Pelpé arrive en bain avec les laitiers Noura. On t'a dit que la maman de Pelpé arrive en bain à cause des laitiers. Hein? Respectez les respects. Non, il faut respecter les gens qui ont vécu. Maman Wangala Géant, il faut respecter les gens qui ont vécu. Regarde-moi une prostitute comme ça qui fait les gens se lèvent à minuit pour faire la sorcellerie. J'ai dit, oh. Je sais que toi, là, dans ta franc-maçonnerie où tu es là, on t'a donné les conditions. Ce que tu fais là, c'est les conditions. Tu demandes aux gens que tu précises l'heure. Tu dis minuit. J'ai dit, oh, même vous les mouches là, il y a un court-circuit dans vos têtes. Vous n'avez pas de famille, ni quoi de famille. Vous n'avez pas des enfants. Qu'est-ce que des hommes responsables et des femmes responsables font debout à minuit à écouter une éclateuse? Ma Wangala géante. Géant autant pour moi, la bouffeuse de pertes malodorantes de coco, de couetou. Coco couetou. Qu'est-ce que les gens normaux font dans la nuit? Les gens qui ont une cervelle font dans la nuit à minuit. Corsi Djou a écouté un sapin comme toi. Mais c'est les ratés. C'est pourquoi on dit que t'es mouche. C'est les gens qui sont au Maroc. Et c'est les gens qui rêvent à l'Ambeng. Parce que les gens, les intellos de Mbeng ne t'écoutent pas. Le bas peuple est toujours nombreux. Les intellos sont peu. C'est pourquoi la TKC est peu. Et là-bas chez toi, tu as beaucoup de gens. La sanga. Pourriture va. On va y arriver. Allons step by step. Tu as dit que tu es riche. Tu as les immeubles, maman. Maman, tu as les immeubles. Tu as commencé à vendre les piments. Quand à l'époque où j'étais encore dans ta brousse là-bas à Lille, maman, tu vendais déjà les piments. Quand tu as supplié la femme de Paris là, quand le piment périmé là ne passait plus à Lille, tu as supplié la femme de Paris là pour qu'elle te laisse faire quelques coups là-bas à Paris. Tu avais déjà les immeubles là, entre guillemets, non, Noura. Pourquoi tu ne vis pas de tes immeubles? Si tu n'ouvrais pas les laitiers là pour arnaquer les pauvres gens, c'est que tu es au niveau que tu es là. Ce sont ces gens-là qui t'ont fabriqué. Tu étais quoi avant? Tu n'es même toujours rien. Tu t'assois pour dire que maman Pépé, elle vit dans une maison en province. Oh, toi, tu es à Paris. Tu as toujours rêvé de Paris. Paris que toi, tu aimes là, les gens fuient Paris aujourd'hui. Paris est saturé.
Aujourd'hui, tu dis que je suis dans la nana, je paye la maison à 1000 euros, elle paye la maison à 300. Quand tu étais dans ta brousse de lit là, tu payais à combien? Kenge. Quand tu habitais dans ta brousse de lit là, tu payais la maison à combien? C'est maintenant que toi, tu arrives à Paris, tu as toujours rêvé de Paris. Je te comprends. J'ai dit à Annie, pourquoi je ne vois pas les cœurs? Les cœurs là sont aux questions. Je ne suis pas en train de voir les cœurs là, Admin. Je ne sais pas parce que quand je ne vois pas les cœurs là, ça ne me plaît pas, hein. Mais t'as bien ma soeur, je ne suis pas contente. J'ai bois en attendant les cœurs. J'ai bois. Je ne vois pas les cœurs, hein. Vous ne mettez pas les cœurs. Moi, je ne parle plus. Tu es tellement dépressive que tu parles au rideau à Satan. Démon, toi, tu es celle qu'on a envoyée pour s'aimer le karma sur terre. Parce qu'ici sur terre, il y a les démons. Ah ouais, il y a les envoyés du diable. Tu fais partie des envoyés du diable, même pas tes manières. Parce que quelqu'un qui demande aux gens de se connecter à minuit, corps, idiot, pour faire les directs, c'est les directs de quoi? Hein? Si ce n'est pas pour tirer les chances des gens, si ce n'est pas pour tirer l'aura des gens, les mouches sont là à écarquiller les bouches qui sentent, à taper les doigts sur les claviers, ils peuvent avoir les panaris parce qu'ils commentent pour insulter une femme qui dort pendant que vous gesticulez, ne vous gère pas. Maman, maman, est-ce qu'on s'est salé avec la boue? Tu es la boue. Tu es ce qu'on appelle que la boue est ndobo, maman, ndobo, la boue. Kengenga. Tu crois qu'elle ne perd pas ton niveau? Elle n'est plus à ton niveau. C'est toi qui dis que tu es une PDG, mais c'est toi qui parles d'elle. C'est toi qui focalise 2 heures de direct. Mais maman, fais-toi soigner. Je ne peux pas parler de quelqu'un qui ne me dépasse pas. Je parle seulement de quelqu'un qui est un adversaire redoutable. On parle des adversaires redoutables. On parle joli perpétu parce que c'est un adversaire redoutable. C'est la seule qui te tient jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dis que Pipito est qui? Que Pipito ne peut pas fabriquer Maman Pépé. Elle va fabriquer comment? Elle va fabriquer sa bosse. Qui a fait connaître Pipito? Ce n'est pas Maman Pépé. Elle ne peut pas ouvrir la bouche qui sent et ce qu'elle veut la récupérer. Tu veux faire maintenant comme si tu fais. Même ta ancienne copine a dit qu'elle ne te calcule pas. Elle passe à autre chose. Elle va passer à autre chose. Et qu'elle est quoi? Elle vaut quoi? Bande de têtes percées. J'ai toujours dit que votre team doit être composée de Pipito, du gouvernement de Chine, de Mavalium et de toi. De Pipito, du gouvernement de Chine, de Mavalium et de toi. Les sapins mondiaux, des démons qu'on a envoyés sur terre pour semer le Capharnaüm. Les adeptes de Lucifer, c'est ce que vous êtes. Aujourd'hui, tu as porté ta mère qui voyageait dans les boîtes de sardines. Tu veux venir finir tout Paris. Hé, Aborba, Benga, ni yong yé, wanan grenga dans la salle. Ni yong yé, Aborba, Paris, oh. Maman, les gens vont tomber en transe bientôt. Voilà, grenga qui arrive à Paris avec Anna grenga à Paris, c'est mauvais. La sorcellerie qu'elle faisait sous les cocotiers là-bas, Foukoui. Elle va faire ça en live là à Paris. Maman, le style de ça. Maman, les lunettes de Syrie qui de ça. J'ai eu. Non, maman, tu n'aimes pas ta mère. Tu n'aimes pas ta mère. On appelle ça le faux pas de la fâche. Fashion police. Maman, t'as m'apporté quoi comme ça? Et à qui à la maman, non. Anna, pourquoi tu as fait ça? Question. Anna, Anna, Ganga, pourquoi? Question. Anna, nous qui avons bibi les manos. Question. Pourquoi tu portes ces lunettes, Anna? Tu n'as pas honte, Angon Kolia. Comment tu peux mettre à ta mère les jardins de lunettes là, maman? Maman, tu crois que les gens partaient au champ, maman? Ta mère pas au champ, maman. Il n'y a pas les champs à Paris. Si elle était quand même en province, on pouvait comprendre. Dignon, il est Paris, en pleine santé de Paris. Maman, tu l'habilles comme si elle partait cultiver les hommes. Nous avons un bon homme en Bengue. Elle fait les champs en Bengue. Question. Anning, je vais arrêter les directs parce que je ne vois pas les cœurs. Et vous n'êtes pas en train de m'écrire, mes amis. Quand vous ne m'écrivez pas, je n'ai pas la. Je n'ai pas la stabilité qu'il me faut. Donc, je pense que je vais arrêter un peu le direct là. Parce que là, il y a trop de choses à parler. Mais quand vous, mes amis, vous ne m'écrivez pas,
Vraiment, ça me dérange. Non! Parce que toi, tu crois que la bouche t'appelle maman. Où ta bouche finit, c'est là où ma part de bouche, moi, maman, commence. Ouais, penga. Tu peux insulter. Comme tu crois que toute la tout Paris l'a peur de toi parce que quand tu ouvres le camembert, tu dis des grossièretés. Tu dis des grossièretés. Langa woman. Tu dis que maman peut pème trop la nourriture. Maman peut pème quémander. Les laitiers que tu fais là, c'est pour quoi est question. Les sextoys que tu as créés là, c'est pour chercher quoi est question. Nourab Kai, merci admin, je viens de te lire là. Eh hey, maman, mais maman, tu es une menteuse de talent. Il y a un tembe. Tu es une menteuse de talent. Maman, en plein direct, tu osais dire que tu avais tapé Perpétu. Ya, maman. Maman, un de tes fans t'a dit que ya, ma faut, tu mens. Yay! Maman, tes amis ne peuvent pas effacer les commentaires là. Ton fan, maman, ou ta fan, je ne sais pas quelle mouche a commenté là-bas. Que ya, ma faut, tu mens. Maman, tu viens t'asseoir. Tu dis que tu as tapé Perpé. Perpé t'a donné la balayette. Les gens ont vu. Les gens ont vu. Ce n'est pas que. Et c'est il y a longtemps, quand elle n'avait même pas encore son corps là. Quand tu l'appelais encore Gringa. Quand tu ressemblais encore à ton hippopotame là. Pas comme tu es parti couper l'estomac. Chienne. Tu n'avais pas dit que tu as une belle femme avec les rondeurs. Pourquoi tu coupes encore l'estomac et question. Donc tu vas avoir le corps d'Angelina Jolie comme master. Ça te rate. Coupe même l'estomac la même 5 fois. Même l'anneau la même 10 fois. Le ventre des caca va tous se voir. Le ventre des caca va tous se voir avec les gros yeux comme la vapeur du pilet. Une laide chose comme ça qui est tapis de cernes sur le visage. Si tu ne fais pas le make-up là comme Gopipito maman, tu ressembles à quoi? Démon. Démon. Il n'y a qu'un démon comme Anna pour accoucher les rejetons comme toi. Il n'y a qu'un démon comme toi, Anna, pour accoucher les rejetons comme toi. Parce qu'une femme normale ne peut pas accoucher le genre de spécimen comme toi. Tu as le genre de spécimen qui est en voie de disparition. Yeyomba, c'est les spécimens en voie de disparition. Tu crois que tu peux insulter? Perpé n'a pas la bouche pour insulter. Là, c'est soldat. Quand tu vas faire un direct sur Perpé, tu vas me trouver sur ta route, Nyama. Et tu vas faire comme si tu n'écoutes pas, mais tu m'écoutes très bien. Parce que même tes mouches m'écoutent. Et ils viendront te dire, Nyama, Nyambrunga, menteuse. Menteuse, fille en plein direct, elle ment aux mouches. Sale femme avec les sales fesses qui coulent. Tu t'assois, tu dis que ko, parle, ngosa, ngos but, parle à une star comme moi. Une star comme moi qui boit du champagne. Le champagne acheté avec quel argent est question, idiote. Le champagne acheté avec la souffrance des beaux ailleurs du Maroc. Hein? Pepe, tu bois la harpe. Il faut consommer camerounais. Tu peux boire Dom Pérignon. Dom Pérignon te connaît, question. Vous prenez l'argent, vous partez donner aux riches. Tu ajoutes l'argent, tu verses l'eau dans un vase qui est plein. Pepe, tu consommes camer. Tu dis qu'elle ne peut pas boire la Henneken. Elle va boire la Henneken qu'elle a laissée en bain. Non, quand on part au Cameroun, moi-même quand je suis au Cameroun, je bois que la Castel. Mais merengue la meilleure Cameroun, mais n'y a pas de la Castel. On consomme Camerounais. On est fiers de consommer notre boisson. Pepe, tu consommes la harpe. Ça veut dire qu'elle favorise le développement de la boisson. Ça veut dire qu'elle donne son argent pour que son pays émerge. Une mangeante patentée comme toi, une chienne comme ça, la maison dans laquelle tu vis là, qui est à Paris là. Ce n'est pas les fans, tes mouches là qui ont cotisé pour que tu dois aller donner la nourriture aux enfants à Fukui. Tu as pris l'argent là, une partie tu as fait venir l'enfant de Coco Kouetou. Et une autre partie tu as pris la maison. Tu ne dis pas ça à tes fans, Nyama. Nyama. Aujourd'hui, tu ne bois plus de muscador. Tu oublies l'époque où tu buvais le muscador de sirop. J'ai dit, oh, tu oublies l'époque où tu buvais le muscador. Quand tu étais encore dans ta brousse de Lille, là, on sent une grosse parvenue. On sent une grosse parvenue, maman, les champagnes te supprennent. Perpétua a toujours bu les champagnes, on a vu. Elle fait partie de la jet set parisienne. C'est les filles qui te faisaient rêver.
Quand tu voyais Père Pa à l'époque, tu rêvais. Tu rêvais à l'époque. Ce que tu bois aujourd'hui, là, il y a longtemps, Père Pa a bu ça. Elle n'a pas bu quel genre de champagne, question. Donc, pour toi, je bois le champagne, c'est un luxe. Noura, ça coûte combien? Mboutnga, le champagne coûte combien? Jusqu'à j'ai des heures, eh ben, il va encore qui boit le champagne. Eh ben, il va encore qui boit le champagne. Maman, ça t'a surpris. On appelle les gens, le genre de personnes comme toi, les je ne savais pas. Béibé, tu ne savais pas. Les je ne savais pas, c'est comme ça qu'on appelle les femmes comme toi. Maman, ça t'a surpris. C'est pourquoi tu t'es pavane de soirée en soirée, parce que tout ce que tu fais là, les filles de la jet, cela avait fait ça. Pépé, tu ne partais pas dans quel genre de soirée, question. À un moment, on se fatigue. Tu as demandé à maman Pépé qu'elle doit se fatiguer des clashs. Comment ça t'est fatigué de te pavaner dans les soirées? Tu as une grand-mère. Elle n'a même pas honte de dire que, j'ai 40 ans, tu dois avoir honte. Passer pour 40 ans, tu ne ressens pas. Tu ressembles à une femme de 70 ans, Benga Nyouyong. Regarde comment ta peau pend. Hein? Regarde comment ta peau pend. Mais Facebook t'a lavé, Ngokolia. Mais tu parles à qui a une compresseur, maman? Maman, tu parles à une compresseur. Le Paris dans lequel tu habites là, quand tu rêvais de Paris, il y a longtemps, elle habitait déjà là-bas. Tout ce que toi tu fais aujourd'hui, il y a longtemps, elle a fait ça. Mais j'ai dit, hein, pourquoi on porte les spécimens comme ça, on amène? J'ai dit, hein, pourquoi on a favorisé le Boza? Tu es entré en Bempa Boza, elle est entrée en Bempa Avion. Vous n'êtes pas pareil, vous ne jouez pas dans la même cour. Tu es arrivé à Paris, tu as gâté Paris, Paris n'est plus ce que c'était. Tout le monde te déteste. Quelle fille de la jet set parisienne de l'époque fonctionne avec toi, question? Quelle fille de la jet set parisienne de l'époque veut même seulement entendre parler de la musaraigne mondiale que tu es? Hein? Tu dis que, oh Pépé, je te prends avec tes mots, Anoura Boukaï. Je te prends avec tes mots. Tu dis que, oh Pépé, tu n'as pas honte, en plein direct, elle réclame 15 000 à son frère. Elle réclame ça, oh ha! Maman, elle réclame, oh ha! Elle va réclamer. Toi-même, l'époque où tu étais parti au Cameroun, là, en plein direct, où tu insultais ton frère en direct, dans la maison, je ne sais pas où c'est, à Dedo, c'est où, la fausse maison, là, où tu disais à ton frère comment ils ont volé ton argent, ils t'ont détruit, c'est à cause que tu n'es rien. Tu oublies? Idiote. Tu oublies? Ma Wangala géant, il y a les archives. En plein direct, à l'époque, là, tu disais à ton frère que tu en as marre, ils t'ont rendu nul, oh, tes cousins, tu oublies? Tu oublies? Nous, on avait vu, on a capturé même. Tu t'assois, tu peux parler de Perpétu, toi. Tu as la cabine pour parler de Perpétu, Nourabka, ou la Poronière. Ou la Porongone, Marie-Josée. Hein? Les formes, la beauté, le teint, quoi est? Question. Tu la dépasses avec une seule chose, l'écartement du zout. Parce qu'on t'a vu comment tu avais porté la ceinture. Tu es en train de tout mal informer avec la ceinture. On t'a reconnu avec ta tache que tu as sur la cuisse là. Tout le monde a su que c'était toi. Tu es venu mentir que c'est la femme là qui est, la femme là qui fait les soirées là-bas à Paris. Je ne veux pas prononcer son nom. À cause de toi, les gens fuient Paris. Tu as une mauvaise onde. Tu as apporté les mauvaises ondes à Paris. Paris était Paris à l'époque quand tu n'étais pas là. Hein? Paris était comme ça autant pour moi quand tu n'étais pas là. Quand tu étais encore dans ta brousse là. Avec tes singes là-bas à Lille. Paris était comme ça. Regarde-moi une dirty fille comme ça qui ouvre la bouche pour parler. Regarde-moi une dirty fille comme ça là qui prend près de 2 heures pour parler d'une femme valable qui donne à manger aux orphelins. Tu n'as pas honte de t'asseoir en plein direct pour dire que oui, même si tu as mangé l'argent, c'est l'argent de tes fans. Maman, le karma existe. Saloperie de femme, le karma existe. Les gens cotisent l'argent pour te donner, pour que tu partes donner aux orphelins à Fokwe. Tu prends l'argent, tu prends l'appartement à Paris, tu prends l'argent, tu fais venir l'enfant de Coco Kouetou. Tu parles à une femme qui prend l'argent des laitiers et pas donner à manger aux orphelins. Vous êtes pareil? Idiote, va. Bah, il est pareil. Question. Une sale lesbienne comme ça. Tu connais la joie de dormir à côté d'un homme? Tu connais la chaleur d'un homme dans le lit? Quand tu fais les cauchemars dans les nuits, dans la nuit, quand tu parles au rideau là, qui t'arrête, qui te calme, qui te laisse comme ça, tu es un homme. Quand le bandit va atterrir dans ta maison là,
Il y a une présence masculine là-bas qui va t'aider. Kengenga, Webe Woman. On va y arriver, il y a beaucoup de sujets. Je vous lis, hein. Je vous lis, mes gens. Je vous lis. Non, Anna Gringalet, la chienne oublie. Elle a la mémoire très courte. On a encore ces vidéos-là où elle avait porté le go de ceinture. Hein? Avec Béret, go de ceinture. Elle a commencé à coucher une femme. Yes, le démon. Tu es démoniaque. Tu es ce qu'on appelle Sodome et Gomorre. Tout ce qu'on avait, on avait brûlé la ville de Sodome et Gomorre à cause de ça. Maman, les femmes qui aiment les femmes. Les hommes qui aiment les hommes. Tu es une calamité, maman. Tu mérites la mort par pendaison. Ta faim, hein, maman. Maman, tu vas mourir que même, je dis que même comment on appelle, les charognards vont refuser ton corps. Poutnga comme ça. Même les charognards ne vont pas manger ton corps. Non, je vais te traiter, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Et en passant, œil de cobra, la femme du cacateux, la femme du cacateux, n'écris plus jamais à Gabi. Tu as compris, Kenge Woman? Toi, la femme qui a l'œil qui sort là, l'œil que quand tu ouvres, tu écarquilles les yeux comme ça, l'œil saute, ça tape au sol, pang, pang, comme la balle de ping-pong. Tu récupères seulement, tu rinces dans l'eau salée, tu déposes sur la table. Ne prononce plus jamais Gabi. N'envoie plus jamais les messages. Bon, ton message est vocaux. Ou omle a bang, les messages vocaux. Ne lui envoie plus jamais les messages vocaux. Il ne fait pas partie de tes clients. C'est un homme scandaleusement marié et père d'enfants. Il est terriblement marié et père d'enfants. Quand tu as ta jachère là-bas et de cobra, fais tourner, ne tentez plus jamais d'écrire à Gabi. Ce n'est pas ton ami. Il ne te connaît pas. Ne tentez plus jamais ou tentez à bang. Toi, les machins, c'est qui enlève l'œil à midi. Elle suce, elle remet à 16h. Ne tentez plus. Elle perpendiculaire, la femme du cacateux. Nessa, tu étais parti là-bas chez Ngokolia pour aller te moquer de maman Pepa avec Ngobapa. Elle vous a lavé hier. Ngokolia, tes amis d'hier sont tes ennemis d'aujourd'hui, maman. Question. Pourquoi, eh? Nessa, c'est toi qui motivais Ngobapa à venir dans ta chaîne des égouts, venir insulter maman Pepe. Aujourd'hui, toi-même, tu ouvres ton que tu appelles la bouche là. Tu dis que œil de cobra ramasse les lapins morts pour manger avec Ngobapa. Maman, Ngolia, les gens qui ne te connaissent pas, hein, c'est les femmes comme les Patricia Melby comme toi, qui t'ont lu de loin, maman. Elles ont pris la clé des champs. Maman, les femmes comme les Patricia Melby t'ont lu de loin, elles ont pris la clé des champs. Yes. Les femmes comme la femme, là, l'esthéticienne, là, comme on l'appelle, l'esthéticienne qui avait fait le deuil de son père, Ngolia est partie bagarrer là-bas. C'est les femmes là qui ont su, elles ont pris la clé des champs parce que tu es mauvaise. Comment tu peux être ami avec les gens hier et tu demandes à Mini Anus de les insulter? Quand tu marchais avec l'esthéticienne là, tu ne disais pas que sa tête était carrée. Aujourd'hui, quand vous avez les problèmes, tu peux dire à Mini Anus troué de l'insulter que sa tête est carrée. Non. Maman Satan, Lucifer, maman. Non, maman, tu es une femme. Yay. Tu demandes à tes microbes de l'insulter. Alors qu'avec tout ce que vous avez traversé, toi et la femme de Paris qui met les ongles là, j'oublie seulement ton nom. Avec ce que vous avez traversé là, tu devais même interdire aux gens de prononcer son nom. Mais pendant que les mini anus trouvaient l'insulte jusqu'à dire que sa tête est perpendiculaire, tu applaudis. C'est comme ça que même la chèvre d'Amouen là, la chèvre du Canada, aujourd'hui vous êtes bien. Le jour que ça va se gâter, tu vas demander à mini anus de partir l'insulter. Tu vas demander à Mini Anis de partir l'insulter. Tu n'as pas honte. Aujourd'hui, tu dis que toi-même encore, tu ouvres la bouche qui sent. Tu dis que la femme du cacaté, que œil perpendiculaire, œil de cheval, ramasse les lapins, moi, est pas préparé. Elle donne à Ngobapa. Mais tu n'as pas tort, c'est vrai. C'est une vérité.
Jusqu'à ma maman Marie-Josée a eu pitié d'elle, elle a pris le lapin là-bas dans son truc d'élevage. Elle a demandé qu'on le donne parce qu'elle a vu qu'ils aimaient le lapin, mais ils n'avaient pas les moyens de s'en procurer. Et sienne à quoi est question? Mon mari est sien et le concubin de œil de cobra à quoi est question? Il a quoi est les concubins? Les concubins à quoi est question? Les concubins. Il se ravitaille seulement sur les routes. Maman, bon, se ravitaille sur les routes. Là, ni la jambe, mais comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez manger les animaux qu'on a tués avec la voiture? Yay! À Borbana. Aidez Cobra, tu as appuyé sur gâté, maman. Tu n'es même plus au niveau de déranger. Tu es au niveau de gâté. Tes mêmes gens aujourd'hui insultent la femme qu'on appelle la femme qui vend les misunga là, parce que moi je suis une star aujourd'hui. Je ne prononce pas le nom de n'importe qui, je ne fabrique pas. Tes mêmes gens l'incitent. Et tu fais donc quoi, question? Tu fais quoi, Aidez Cobra, pourquoi tu fais ça? Maman, même admin est morte de rire. Mes admins veulent mourir de rire. Maman, riez, mais attention aux urines. Riez, mais ne pissez pas comme Pipito, je vous en prie. Ne pissez pas comme Gomasai, s'il vous plaît. Donc, oh pute, Aidez Cobra, tu dis que tonton, je l'ai fait quoi? Maman, pardon, fermez la bouche, hein. Ne viens pas nous faire endosser les familles qu'on ne connaît pas, maman. C'est les femmes-là. Mais parlez, hein. Comme, c'est les femmes-là. Tu viens nous imposer les tontons Gilles que quand ton mari est sienne, s'est assis là-bas, il a réfléchi, il a dit que tonton Gilles. Nous, on a des tontons, hein. Maman Marie-Josée a des frères. Maman Marie-Josée a des frères. Son premier frère, Jodjé, le tonton Paul. Les premiers frères de maman Marie-Josée, George est le tonton Paul. Le deuxième, c'est tonton Nak. On a seulement deux frères, deux oncles dans notre famille. Rigouengandi, oncle, bah. On a seulement deux oncles. T'as pas de tonton Gilles Lassordoué? Question. Maman, tu as les tactiques d'une ancienne voleuse. Donc, tu cherches comment faire pour revenir. Tu cherches où tu dois taper. Eh, Perpé, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ouais, vraiment, j'ai retiré tout ce que tu avais. Tu ne retires pas ça, Pâques. Tu ne vas rien retirer, ça va rester bien. Nous, on aime les incités là. Parce que depuis 6 ans, nous avons subi les incités là. Ouais, Yabetoyom, tu ne retires rien. J'ai dit, tu ne retires rien. Mais j'ai dit, Ngokolia, Nessa, tu avais dit que tu mangeais que le feu. Pourquoi tu ne prononces pas la femme qui vend les misunga là depuis? Nessa, tu avais dit que toi, tu mangeais que les marmas. Même moi, tu me manges. Parce que moi, je crache les feux. Jodjé aime les marmas. Mais pourquoi tu ne prononces pas la femme des misunga? Tu as peur. Donc, toi aussi, quelque chose peut te dépasser. Question. Chouyi, doyayi. Chouyi, doyayi. Anna. Anna, avec l'yam kalebo, il dit nous, moi, maman. C'est souillant, hein. Anna. Avec l'yam kalema, ou ma pauvre maman. C'est honteux, hein. C'est très honteux. Vraiment, c'est honteux. Les vieux pervers voulaient que Anna vienne. Les vieux pervers voulaient que Anna vienne pour avoir des sensations villageoises. Babé Bangouébana, c'est ce qu'on appelle les sensations villageoises. Mais en retour, maman, oh Indi, ça ne donne pas envie. Parce que quand Anna est écarté, maman, ça sent. Hey! Ingera Anna Nyanda ma belle, oh, maman Indi Noum. Maman, j'ai dit que le bâton du vieux pervers tombé. Quand Anna avait essayé d'écarter comme ça au maman, bonjing. Encore quoi, ya? Avant de mettre ta mère sur le trottoir, même d'abord à l'hôpital, ma bonne PCV. Avant les maman yon et trottoir, même là d'abord à l'hôpital, ma bonne prélèvement vaginal. Nous n'avons pas qu'à la banque à l'air, il dit bon là, question. Bon, il dit non,
Wana glenga indi numbo, indi numbo. Boy indi numbo, indi numbo. Ana glenga indi numbo, indi numbo. Tu viens parler de Marie-Josée. Tu peux parler d'elle. Une femme qui connaît manger avec la couteau et le couteau et la fourchette. Ana yijel, an yijel table. Ana connaît manger à table. Question. Ana habitué avec les mains. Maman, même les spaghettis, Ana prend avec les mains. Tu parles à une femme qui mange le fromage. Tu parles à une femme qui connaît qu'il y a d'abord l'entrée. Il y a le main course. Il y a le dessert. Hein, maman? Tu parles à une femme qui connaît la vie. Une femme qui mange à table avec le vin rouge. Yeah! Maman, ne parle plus jamais de Marie-Josée. Ce n'est pas ton niveau. Parle de ta mère qui prend les coups à 20 €. Ne parle plus jamais de la maman de Pépé, ce n'est pas ton niveau. Chaque fois que tu fais un direct, je fais la riposte. Vous allez faire comment avec moi et question. Parce que la page ici est sécurisée, même c'est Zuckerberg lui-même qui a sécurisé la page ici. Bani bon l'anime question. Ashikon bien manqué, ban bon l'anime question. Adoucine coco, ma soeur, ban bon l'anime question. Asalota de Yavasi, ban bon l'anime question. Angelina Provoza, vont faire comment avec moi question. A Pepe Chimale, ban bon l'anime question. Comment allez-vous faire avec les marmans? Parce que, hein, c'est mauvais. Parce que la TV ici va arriver même à étudier. La TV ici va arriver même à étudier. Biko pas toi, maman Marie-Josée. Tu n'es pas le genre de maman qu'on doit salir. Tu n'es pas le genre de maman qu'on doit salir parce que tu as cotisé, tu as payé pour la France. Tu as travaillé pour la France. On ne salit pas ce qui est propre. Non. Maman, tu ne voyageais pas dans les boîtes de sardines. Tu ne voyageais pas avec les épis de maïs. On connaît tout ce que les mamans du village la font, la plupart. On connaît tout ce que les mamans du village la font, la plupart. Nous sommes comparés incomparables, Angokolia, question. Pourquoi tu veux comparer l'incomparable? J'ai dit, oh, pourquoi veux-tu comparer l'incomparable? Tu as dit que tu vas faire les directs de 2 heures. Moi, maman, je vais faire les directs de 2 heures. J'ai le temps. Les souffles, l'énergie. Wepenga. J'ai dit, oh, Wepenga. Fausse fille. Les filles de Pakochi, les pourritures de femmes. Bobobora. Vas-y, bébé, les bobobora, maman, les pourritures de femmes. Maman, on a vu ton corps ici avec les végétures. Maman, tu pars à la plage. Tu mets le gros caleçon, maman, le banlon. Tu prends encore le pain, tu attaches. Tu caches quoi, hein? Question. Tu n'as pas vu Perpétue avec les 2 pièces à la plage. Bab, t'es baigné. Tu n'as pas vu son corps. Comme tu es une bouffeuse d'un tort, tu jalouses son corps. Tu as envie d'avoir le corps de Perpé. Maman, c'est naturel. Zéro anneau. Zéro coupage d'estomac. Couillon, Nyama, on va y arriver, step by step. J'ai dit Wango Kolia, tu as appelé ça à la barre. J'aime quand je pose les questions, tu réponds. Mais Jean, je bois. Je bois, mettez l'équerre. A chancelier Biosé, ma sœur. Dis-la, maman. Bon, gabaye là, les enfants se portent bien, maman. Ma famille te casse, bigoba vous. Bigobo, bigoba Sabe Viviane. Bigoba Alexis Sharpe. Bigobo Pape. Bigoba Shildi Kolo, maman. Bigoba Alice la Merveilleuse. Bigoba la Pem Internationale. Et à l'Aliambeng, ma sœur, bigob. Bigoba Ngoko Doucine, maman. Big up à Venus Mambe. Maman, il m'a qui me pourra. Eh, ma bouche a glissé. Bouche, tu parles beaucoup. Eh, tu parles beaucoup, eh. Eh, a manqué même biboba, maman, chancelier bio compris, maman. Bibo, bibo da, maman, les sales femmes, les pourritures de femmes, maman. Bibo, bibo da. Merci, Anna Gringalet, ma sistou. Maman, ma sister Anna Gringale, tu as vu les lunettes de ta juge Anna Gringa. Maman, elle a sapé la dernière valise. Maman, elle partait où? Elle partait au défilé, maman, champêtre. Encore quoi, ta mère partait faire le défilé champêtre. Kenge.
Et Aïcha Lopez, merci ma sœur. Merci beaucoup Aïcha Lopez. Et dis comme vous voulez ma famille, oh, ma famille. On va y arriver. Allons-en, Zingokoria, tu appelles là-bas. Mongokoria, pourquoi tu ne dis pas à tes fans que tu as une petite sœur qui est mongole? Je vais t'éprouver par A plus B. Je vais te monter. Pourquoi tu caches ta famille, Ngokolia? Hein? Ta maman t'a accouché après elle est partie dans un autre mariage. Elle a accouché ton frère qui est au Gabon là qui souffre. Pourquoi dans la jambe de Letty là, tu as préféré seulement faire venir l'enfant de la femme que tu suces le tote? L'enfant qui lèche les pertes blanches. Pourquoi tu ne peux pas prendre une partie de cet argent là pour aider ton frère qui souffre au Gabon? Nous qui l'avons au Et Annie Congo, Njamanke, Demanyang, Uyembo est ma sœur. Et à ma sœur, mais Yembo, maman. Annie Congo, Nje, Demanyang. Mais mère, mais Yembo, maman. Mais Yembo, mais c'est le pépé, ma leva star, yem. Le pape. Oui, je work pour toi, maman, parce que tu le mérites. Ma sœur, tu le mérites, pépé, ma leva, parce qu'on ne peut pas te salir. Le monde entier a vu ce que tu as fait à Kondengi. Le monde entier a vu ce que tu as fait, que tu continues à faire chez les orphelins. Ce que tu fais chez les grands-pères et les grands-mères. Ça dépasse même les immeubles. Donner la joie à un enfant qui est dans la peine, ça dépasse même les immeubles. Tu peux avoir 100 immeubles. Si tu ne fais pas de bonnes actions comme celle-là, tu n'es rien. Ngokoli, on te demande d'aller donner à manger à Fokwe. Tu portes le corps plein de caca. Tu mets la nourriture dans les takeaways. Tu vas donner aux sans-abri de Mbeng. Ils t'ont dit qu'ils ont faim. Il y a les restos du cœur. Les gens ont faim au Cameroun, Sapak. Sapak, ce n'est pas Mbeng que tu dois aller donner à manger. Va donner à manger au Cameroun. En Mbeng, on ne dort pas de famine. On ne meurt pas de faim en Mbeng. Si quelqu'un dit qu'il meurt de faim en Mbeng, c'est qu'il ment. Parce qu'en Mbeng, tu entres même dans les boutiques, même dans les supermarchés, tu manges dedans, tu te rassasies, tu essuies la bouche, tu sors. L'argent qu'on t'avait donné, c'était pour aller donner au Cameroun. Parce que notre pays souffre, les enfants souffrent. Bongaba, ce n'est pas pour aller donner aux sans-abri de Mbeng. Les sans-abri de Mbeng n'ont pas faim. Ils ont un problème de logement. Bagoué problème de logement, bagoué des problèmes injai, non pas le problème de la famine. Parce qu'en Beng, il y a la nourriture en sok-sok, en poutoulou. En Beng, il y a la nourriture en poutoulou, à tous les coins des rues. On peut tout te refuser en Beng, sauf la nourriture. Même si tu dis que tu vas manger dans la poubelle, les poubelles de Beng ne sont pas comme les poubelles du Cameroun. Et à manquer de manyango enje, mais salbolo lam parce que Mourava se les perpétue. Aïe, longue mangue, Moura, c'est une bonne femme. Je n'aurai jamais honte, moi, maman, de parler de Pépé parce qu'elle me donne la joie au cœur. Arrêtez de faire le na supporta. Avant d'aller supporter quelqu'un, il faut avoir une idéologie. Il a ma bana idéologie. Vous partez supporter la femme là qui mange les pertes blanches. Agouembe idéologie. Question. À Saloto Fokwe, tu as quelle idéologie? Tu peux traiter Pépé de sale femme. Quand on regarde Pépé ressemble à une sale femme. Hein? Tu manques quoi dit dans la bouche qui sent. C'est la même bouche là qui avale les poteaux électriques. C'est la même bouche là qui mange les pertes blanches. C'est la même bouche là qui fait le bisou à ta petite fille. Yeah! Des mycoses of ça. Yeah! Tu as tué tes petits-enfants avec la maladie. Les mêmes mycoses que tu étais parti déposer à Paris, là-bas, chez la fille de Paris. C'est les mêmes mycoses que tu déposes à tes petits-enfants. C'est les mêmes mycoses que tu déposes à tes enfants. La même bouche, la maman. La même bouche qui prend la nourriture, qui mange. C'est la même bouche là qui mange les bâtons. C'est la même bouche là qui mange les pâtés blancs de Kwotu. Yeah! Maman. Toi, et même les beignes de bouche ne peuvent pas t'aider. Même les beignes de bouche ne peuvent pas t'aider parce que on sent comment ta bouche sent. Parce que les pertes blanches d'abord de la femme sentent.
Il n'y a pas une femme qui va dire que dans sa vie, qu'elle n'a jamais eu de pertes et qui sentait. Ça peut arriver. Regardez alors une femme qui a pour boulot de manger ça tous les jours. Imaginez comment son haleine peut être. Maman, tu es une lesbienne reconnue. Donc, connais ton travail, Iboloyon. Boloyon, maman. Tu ne peux pas dire que ta bouche ne sent pas. Même la plaie pourrie. Même la plaie pourrie. Tu viens par là, pépé. Mais c'est ça qu'on appelle la saleté. La saleté, ce n'est pas seulement sur le corps, même les artères. Tu as des sales artères. Tu poses des actes infâmes, tu poses des actes, ah ouais, des actes de tuerie. Eh mais quand je m'arrête comme ça, je vous lis, hein. Parce que je ne vais pas avoir l'impression de monopoliser la parole, Meko. Donc, ça me plaît quand vous riez. Je ne sais pas pourquoi les cœurs n'apparaissent plus chez moi. Ou alors, ils sont en train de se battre dans les signalements, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi les cœurs n'apparaissent pas, admin? Pourquoi, Je suis alors quoi, maman? Je prêche dans les déserts, ma famille. Irène Kouété, je ne laisse pas. Pourquoi hier à minuit, tu n'es pas parti demander à Ngokolia d'aller se coucher? Même si tu partais, lui, Dieu ne pouvait pas, il était en mission. Ngokolia était en mission hier. On lui a demandé de réunir 500 personnes en direct à minuit. Ah oui, si vous ne saviez pas, laissez Marma vous dire. Continuez à aller regarder les directs à minuit. Vous allez trouver ce que vous cherchez. Vous êtes là, vos pauvres vies vous dépassent à gérer. Vous ne savez pas où le doute vient. Vous ne savez pas où le doute sort. Vous partez regarder les directs à minuit, la sorcellerie. Continuez à aller regarder les directs à minuit. N'est-ce pas, vos vies sont en chantier. Pendant que vous regardez, Maléva dort. Pendant que vous regardez, elle embrasse bien sa petite fille. Elle dort. Tranquillement, tranquille. Ne m'appelez plus jamais. Hein. Ne m'appelez plus. Maintenant, je suis en train de voir les cœurs. Ah oui, je suis en train de voir les cœurs. Tu te places pour dire que maman Pépé est sale. Entre toi et maman Pépé qui est sale. Maman Pépé dort avec un homme qui est reconnu depuis des années. Bientôt 10 ans aujourd'hui, voire même plus. Ce n'est pas les couples de hier. Mettez les cœurs. Ce ne sont pas les couples de hier. Maman Pépé mange les tortes, question. Est-ce qu'Angéry Indiribora? Question. Angéry Indiribora, maman Pépangwe Kondo, elle aime les plantains. Maman Pépangwe Kondo, elle aime les plantains. Angéry Indiribora, elle ne mange pas les fesses des femmes. Toi que ta bouche est ouverte jusqu'à tu as pleuré, elle t'a dit que tu pleures pour la petite viande là. Hé, encore quoi, Benyou, maman. Tu n'as pas honte. Tu pleures pour le petit dorodoro là, maman. Écarte. Écartez-moi vite la chatte là. Quelle honte. Écartez. Montrez-moi vite la chatte là. C'est comme ça que Ngokolia encale à Coco. Elle dit à Coco que écartez-moi bien ça. Mettez les cœurs où je ne parle plus. Maintenant, je vois vos cœurs. Donc, quand vous mettez, je vois. Mettez où je ne parle plus. Mettez où je ne parle plus. Mettez, mettez. Ou alors les marmots ne parlent plus. Igijami gwen gen 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 yar masai ma gwen gen 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 yari leri gwen gen 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 écarté quoi question j'ai dit écarté quoi maman le wese dekio otamo. Autant pourquoi tu avais ça, question. Autant pourquoi tu as fait ça, question. Va vous traiter. Amine, je ne vois pas les cœurs. J'ai l'impression qu'il y a un problème dans la salle. Est-ce que tout va bien?
En tout cas, j'attends. Et dis à Coco que ambassade que Nyanda, Nyanda, Nyanda Indi, Nyanda, écarte, écarte-moi ça. Je vais te faire quelque chose. Écarte, écarte-moi ça. Hey, maman démon, démon, démon. Hey, démon, démon, démon. Maman, l'homme va dire à la femme qui est écartée. Chérie, pardon, j'ai besoin que tu me donnes un peu le truc là. Maman, même une femme dit à une autre femme qui est écartée. Question. Admis, je t'ai écrit une box. Admis, je t'ai écrit une box. Je vois comme s'il y a une activité bizarre là pendant mon direct. Faut me dire si tout se passe bien. J'ai l'impression qu'il y a une activité bizarre là dans mon direct. Est-ce que tout se passe bien, admis? Écho, écho, admin, dites-moi, quand je ne vous lis pas, je ne suis pas tranquille. Écho, écho, où sont mes admins? Mes admins sont où? Je ne vois plus les commentaires. Où sont mes admins? On dirait qu'il y a une opération kamikaze en ce moment dans les directs. Est-ce que vous m'écoutez bien? Je ne lis plus les commentaires. Pourquoi est-ce?